sous les avalanches, tes pas étanches dans cet igloo. Part de poil l'oignon. Les sacs sont bien chargés. Donc on va avec le refuge du roc de la pêche, c'est ça? Ouais, on va voir comment on fait. La grande casse. Mais j'avais pas de casse. Et j'ai dit qu'ils étaient. Refuge du roc de la pêche. On a fait un petit détour pour s'entraîner, on est monté sur la petite crête là-haut. Ouais, j'ai un peu chaud là, mais ouais. Okay. On enlève. Faut mettre les couteaux. Arrivé au refuge de Péclet, on pose les affaires et puis on va faire une petite course dans l'après-midi. Là, hein. Je prends des photos, des films. À toi aussi. Vous avez envie de vous dire, vous savez, il y a des cours de cuisine qui existent. Hein. En plus, c'est déduit de vos charges. Hein, donc. C'est sympa ou pas? Il y a du feu.
C'est bien la descente avec la peau et les couteaux, avec les cales de descente, hein. Ouais, c'est... Moi, ça me fait mal aux pieds. C'était là-haut, hier après-midi, sur la crête. On arrive en haut d'un premier ressaut. Hein, faut redescendre avec les pots, c'est pas élégant. Oui, c'est vrai, c'est la descente. Bon, c'est un peu équipé en prévision du vent sous le sol. Tout le monde s'est habillé. Là, c'est le sommet de Polset. On se décorde et puis on a petit 50 mètres de dénivelé encore. Un petit peu couvert. Qu'est-ce qu'on voit? Un vent paracheux. Un vent. C'est drôle. Heureusement, je vais être avec des. Yes. Thank you.
On attend que ça chauffe. On va pas toucher derrière. Par ici. On va au col de Chavière et plus si c'est moins mauvais, ils vont à traverser de la Vanoise, on l'oublie. On va la voir à revers. Est-ce que ça va se découvrir? Petit soleil. Dans des trucs complètement débiles. Ouais. C'est beau ici, hein? Ouais. Superbe. Le petit rayon. Allez, c'est parti. Bye. Attention et surveille pour les conversions, hein. C'est un petit peu chargé la pompe. On laisse Christian partir en éclaireur. On s'engage un par un dans la pente.